Sophia dans l'océan observe le ciel et ses nuages blancs de violet, de pourpre et d'argent. L'horizon est éclatant quand les couleurs de la nuit apparaissent hors de l'eau. L'enfant du crépuscule lève la tête sous un ciel teinté d'étoiles qui la guette. C'est elle, la fille d'autrefois, l'avenir devant soi. C'est toi, la femme d'hier d'origine solaire que tu revois. Bonsoir à tous, ça fait hyper plaisir d'être là.
Voilà, donc du coup, Maud Paquis, je m'appelle Maud Paquis avec ces magnifiques musiciens. Et on vient de vous jouer un premier morceau qui s'appelle Sophia, qui est un des premiers morceaux que j'ai composé et aussi que vous pouvez retrouver sur Spotify. Et c'est assez marrant parce que en fait, on commence le set avec la fin, enfin le tout début et la fin en fait, parce qu'on est allé en studio là il y a 2 semaines, 3 semaines pour enregistrer tout un album de 11 titres. Qu'on a hâte que vous découvriez quand il sera sorti, mais pour l'instant on n'y est pas encore. Mais en tout cas voilà, donc le prochain morceau qu'on va vous jouer, c'est en fait le dernier morceau que j'ai composé, qui s'appelle Derrière mon piano. Si je regarde en arrière tous les choix que j'ai dû faire, pas tout.
morceau s'appelle Galatée. Alors, je sais pas si certains ou certaines d'entre vous dans cette salle sont familiers ou familières avec la mythologie grecque, mais en fait, Galatée, ça vient d'un mythe, peut-être que vous connaissez mieux sous le nom de... Enfin, le mythe de Pygmalion, en fait. Donc, en gros, Pygmalion, c'est l'histoire d'un gars qui est un artiste, un sculpteur, en fait, et la particularité qu'il a, c'est qu'il déteste les femmes. Donc, voilà. Donc c'est compliqué pour lui, donc il reste dans son studio, il peut pas avoir de contact avec les femmes. Bon, il se trouve qu'il est pas, il est pas homosexuel, comme ce qui aurait été peut-être logique dans son cas, mais il est quand même hétéro. Et donc en fait il va commencer à faire une statue de la femme de ses rêves. Et un jour il y a Athéna qui descend du ciel et qui lui fait ce cadeau de faire que cette statue prenne vie. Et ce qui est spécial avec cette statue, forcément, vu qu'il faut que ce soit une femme qui lui plaise, c'est que... elle parle pas. Donc on va dire que cette chanson, c'est une inspiration assez forte de ce mythe. Oh Galatée, comme il t'a gâté, tu es sa création, image de perfection, née de son regard, rien n'égale ta beauté. Tu es son œuvre d'art, j'aimerais te ressembler. Ta plastique légendaire, tu peux en être fière. Quel est le mode d'emploi pour devenir comme toi? Mode d'emploi
sont pas rentrés dans mon appartement. Mais voilà, je les entends toquer. Les foules se bousculent dans mon feed. Dans mon cœur s'éteignent les anciennes saisons. S'appelle Déconnecté. C'est un morceau que j'ai composé pendant le confinement et justement qui est aussi sur le premier album que j'ai sorti maintenant il y a un peu plus d'un an, qui s'appelle Morphée, et c'est d'ailleurs le morceau que je vais vous jouer maintenant. Donc voilà, pendant cette soirée, oui, donc en fait on va vous faire deux sets
Donc on va commencer. Enfin voilà, là on a commencé une partie, ensuite il y aura une petite pause et on refera la suite. Et voilà, et on va se balader entre les morceaux du premier EP, du coup Morphée que je vais vous jouer là, et puis les morceaux du futur album qui vient d'être enregistré. Que
dit vrai qu'en idée. Laisse-moi tranquille avec tes clichés. Arrête de me comparer. Ces reproches y viennent-ils vraiment de toi ou des gens que tu côtoies? Me poser après chaque repas, ce n'est pas très bon pour toi. Je m'inquiète quand tu penses à ce qu'on dit de moi. Jusqu'à ma prochaine assiette. Bien avec toi, bien.
Je
donc les deux derniers morceaux qu'on vient de vous jouer, voilà, on les a enregistrés dans l'album là, qu'on a fait il y a 2 semaines. Donc le premier s'appelait Problème corps esprit, et le deuxième Quand viendra le soir. Et on continue avec un duo avec Lennart Chandel, incroyable bassiste, avec lequel j'ai la chance, l'immense chance de jouer depuis maintenant un peu plus d'un an et demi. Et voilà, donc on va vous jouer un morceau. Ah oui, d'ailleurs, Bernard. Donc Bernard ici présent, mon beau-père, on peut dire. En fait, ce morceau, il est dédié... En fait, ah oui, bah, là, du coup, je peux raconter l'histoire. Donc en fait, il y a à peu près... Ben non, ça doit faire 2 ans, ouais, un peu plus. Le compagnon de ma grand-mère est décédé, Hubert, paix à son âme. Et en même... Donc voilà, j'étais un peu... c'était une période un peu triste, et je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais rencontré du coup la nièce de Bernard, qui s'appelle Popéa, et qui était un bébé qui pouvait même, enfin qui parlait pas encore, et du coup c'était un peu, voilà, c'était un peu la mort et la naissance, et voilà. Donc dans cette ambiance, on va dire, à moitié joyeuse et quand même triste, j'ai composé ce morceau, du coup, qui s'appelle Popéa, du coup, comme Popéa, voilà.
Thank you.
Merci beaucoup. Maurice Rouff à la guitare. Maurice Rouff à la guitare. Samuel Goupil à la batterie. Et on arrive du coup gentiment à la fin du set. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Donc je vais vous parler pendant l'introduction musicale parce que c'est toujours plus fun. Donc en fait, le prochain morceau, je l'ai composé après avoir écouté un podcast de la RTS. Que je vous conseille à tous et à toutes, qui s'appelle Au temps des sorcières. Et en gros, ça parle en fait de la chasse aux sorcières qui a eu lieu en Suisse à la Renaissance, et non au Moyen-Âge comme on le croit. Ce que j'ai découvert en fait en écoutant ce podcast, c'est que Merci. Et du coup, ce que j'ai découvert en écoutant ce podcast, c'est que la Suisse est le pays qui a assassiné en fait le plus de sorcières et de sorciers de toute l'Europe en fait, mais pas en, si vous voulez, pas en proportion au nombre de gens qui habitent là, vraiment en nombre. C'est-à-dire que on a assassiné 30 fois plus de personnes pour crimes de sorcellerie que l'Italie, 10 fois plus que la France. Et en plus, il se trouve que les cantons en Suisse qui ont participé le plus à ce génocide sont le canton de Vaud et le canton de Berne. Donc si vous voulez, là, on est au canton de Vaud. Et il se trouve que Maurice, Lennart et moi, on étudie les trois à Berne. Donc je me suis dit, là, on est dans le feu de l'action, autant le dire. Donc j'ai décidé de composer une chanson qui parle de ça. Qui s'appelle du coup Ode aux sorcières. Oh,
Avant de faire du coup le rappel, j'aimerais quand même déjà remercier aussi toute l'équipe de l'Esprit Frappeur qui nous a super bien accueillis, qui nous permet d'avoir un si beau lieu pour pouvoir jouer nos compositions. Donc voilà, merci à eux vraiment. Et du coup, pour finir, on va jouer un morceau avec Maurice. Donc un petit duo pour vous ce soir. Qui s'appelle Insomnie et qui parle d'insomnie. Sceptisée
seule dans ma tête. Ici, tout disparaît sur tous les visages du passé. Un, deux, trois, quatre. Seule sous ma couette, avec la lumière allumée, car j'ai peur de l'obscurité. Seule quand le soleil se lève une nuit sans sommeil, mais toujours seul au réveil. Seule, même la journée, les visages les plus familiers deviennent étrangers. Seuls, les gens qui croient m'aimer ne me voient pas. C'est une fausse image de moi. Seul, seulement quelqu'un d'aussi seul que moi un jour peut-être me comprendra. Seul, c'est ce que je suis. Mais ce n'est qu'à travers moi que je peux trouver paradis. Seul, mais finalement, c'est pas si mal que ça. Toute la terre est en moi, seule dans mon lit, une nuit comme une autre où je pense à l'infini. Seule avec moi-même, je recherche à l'extérieur la raison de mon malheur. Seule par la fenêtre, je regarde les étoiles et dissipe mon mal-être. Seul comme l'on est toujours seul.